On va accueillir Norbert et Jacques. Et leurs épouses. Et leurs épouses respectives, bien évidemment, qui vont nous chanter la chanson de Franck Fermandel, L'amour interdit. Normalement c'est une double vie, même si le mot n'est pas joli. On appelle cela l'adultère. Nous avons chacun d'un côté quelqu'un qu'on ne peut pas quitter. Alors ce qui nous reste à faire, c'est de continuer à s'aimer en préservant notre secret pour ne faire de mal à personne. Mais si un jour ça se savait, ce serait dur de décider quel est l'amour qu'on abandonne. Comment faire bien ce qu'on veut? On se rencontre quand on peut, entre deux rendez-vous d'affaires. Il nous faut trouver des excuses, comme les enfants qui s'amusent à faire l'école buissonnière. Mais nous nous aimons l'après-midi. Est interdit. On se tairait dans un restaurant, et quand il nous reste du temps, on se retrouve dans une chambre. On ferme les rideaux et les yeux pour faire semblant de croire tous deux que l'on passe une nuit ensemble. C'est si facile de juger, les gens peuvent nous accuser de n'être que deux hypocrites. Tant mieux si vous avez jamais été tenté par l'infidélité, mais ne jugez pas trop vite. Après tout, on ne sait jamais, ça peut aussi vous arriver. Alors on pourrait mieux comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens qui s'aiment en ayant peur que l'on puisse un jour les surprendre. Mais nous aimons l'après-midi. On oublie que notre amour est interdit. Mais nous aimons l'après-midi. Pour un court instant, on oublie que notre amour est interdit. Merci à Cathy et à Cathy.